bitches. Accolades, got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me, nah. How I've been here 10 hours, my chick's sour. Rising and falling together, though, like we the Twin Towers. Nothing's taken, I'm frustrated. If I could only get just to blaze it, ain't no doubt that I'd muster greatness. No chip off. Yo tout le monde, c'est Tchipor, pour une nouvelle vidéo sur la END Clan avec un gameplay de la part de ENDC Dada. C'est un nouveau membre, donc dites-lui la bienvenue en commentaire. Il nous a réalisé le nucléaire sous Skyjacket même pas un jour après la sortie du DLC, donc re-GG à lui. Dans cette vidéo, je vais vous parler des informations qu'il y a eu sur la nouvelle mise à jour. Il n'y a pas eu que les DLC. On va passer tout de suite à la présentation de la mise à jour. Je vais essayer d'aller assez vite car tout simplement le gameplay dure 4 minutes et il y a énormément d'informations à vous dire. Donc je vais passer les informations inutiles, je ne vais pas les dire, et les informations utiles, je vais essayer d'y passer pas non plus énormément de temps. Donc il y a eu un règlement au niveau des problèmes des votements de map. Par exemple, on tombe tout le temps sur combine, là ça a été réglé, on ne tombera pas infiniment sur combine. Donc à chaque fois ça va changer, donc c'est plutôt cool car tout le temps du combine ou du fringe, c'est un peu chiant. Il y a eu un réajustement au niveau du gain d'XP par rapport au mode des jeux. Par exemple, il y avait des modes de jeu où on gagnait beaucoup d'XP et d'autres modes où on gagnait pas assez d'XP. Le G-Slide n'existe maintenant plus car tout simplement David Van Der Aar, le créateur de Black Ops 3, avait dit sur Twitter qu'il n'aimait pas ce système. Si vous savez pas ce que c'est, le G-Slide, c'est le truc où on glisse, on saute et on glisse et ça fait un petit saut propulsé. Ça a été désactivé car il n'aimait pas ça. Je suis un peu deg car tout simplement je n'arrivais pas à le faire, et puis le moment où je réussis à le faire, le lendemain, ils l'ont enlevé. Maintenant, en hardcore, on ne pourra plus détruire les séries de points alliés. C'est assez dommage, car en hardcore, il y a les alliés souvent qui te font chier à mettre des rats ou des rapaces, des trucs comme ça qui te font tuer. Donc ça, c'est chiant. Moi, je tuais leur rapace ou quoi, pour pas que ça me fasse chier. Maintenant, on ne pourra plus. Il y a maintenant un truc super cool qui était sur Black Ops 2, le rapport de combat. Avant, on ne pouvait le voir que à nous. Maintenant, on peut le voir, le rapport de combat des autres joueurs, et on peut comparer nos statistiques par rapport aux autres. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rapport de combat, c'est où il y a le ratio, les médailles et tout. Donc c'est plutôt très cool pour ça. Au niveau des spécialistes, il n'y a pas eu grand chose. Il y a deux modifications intéressantes. Sur Nomade, lorsqu'on utilise réapparition, le personnage se lève plus vite car c'était un petit peu long. Et sur Reaper, le bruit est diminué car lorsqu'il utilisait l'info, on l'entendait de l'autre bout de la map. Donc c'est plutôt cool car c'était assez stressant. Pour ce qui est des armes, il y a une réduction de l'efficacité du tir rapide sur toutes les armes. Pour ce qui est des SMG, il y a une réduction de la vitesse lors d'un sprint. Aussi à la VMP, il n'y a plus le bug où on n'était plus affiché par le hater. Je me rappelle, je m'étais mort en série à cause de ça. Il y avait un petit glitch lorsqu'on avait la VMP, on n'était pas détecté par le hater. À l'XR2, il y a une amélioration de la stabilité de visée et du contrôle du recul. Pour l'ICR1, il y a une amélioration de stabilité de la visée aussi. Pareil pour la Sheva. Pour ce qui est des fusils à pompe, pour l'Argus et le KMR, ils ont une distance de tir mortelle augmentée. Donc ça va être très chiant, je pense qu'il y aura plein de gens en pompe qui vont nous faire chier. Pour ce qui est des mitrailleuses lourdes, toutes les mitrailleuses lourdes, l'amélioration des stabilités pour la visée. Pour ce qui est des snipers, pareil. Et les points américains, il y a eu l'ajout d'une étincelle lors de la provocation. Pour ce qui est des accessoires, au niveau de la balle blindée, la seule modification, c'est qu'elle n'inflige plus de dégâts au robot en dernier rempart et elle n'ignore plus l'armure du porteur en balle de liaison satellite. L'atout écoute, il y a une réduction de la distance d'écoute supplémentaire car beaucoup de joueurs se plaignaient que l'écoute était trop cheatée. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le répète, je n'ai pas dit toutes les choses car il y avait beaucoup de choses inutiles et le gameplay était très court. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Et si le commentary et le player vous plaît, abonnez-vous à nos chaînes respectives. Moi je vous dis à la prochaine, bye.